L'histoire du hareng est aussi ancienne que l'histoire de Boulogne. Même si certains essaient de rabaisser cet aliment, le hareng a été la nourriture de base dans le pays boulonnais depuis 2000 ans et il a fait la richesse de Boulogne. Le hareng a servi de monnaie d'échange, de rente et même parfois de rançon. Le terme de hareng vient de har, qui signifiait en celtique sel ou salé. Le hareng porte donc ce nom, car depuis l'Antiquité, on le salait pour mieux le conserver. Har a donné haring en germanique chez les Saxons, hering en anglais et érinque en vieux français. En latin, on disait alec ou alecium, qui a donné son nom à l'alose, un poisson de la même famille que le hareng et surnommé à Boulogne la mère des airains. Du temps des Romains, il semble que durant la difficile conquête de la Gaule belgique, César faisait déjà importer les harengs salés pour nourrir ses légionnaires. Le monastère d'Evesham fut fondé à la fin du 7e siècle en Angleterre, dans le royaume de Mercy, un royaume anglo-saxon des Midlands, les terres du milieu. En 709, une charte du monastère d'Evesham lui permit de recevoir une partie des revenus des harengs pêchés sur la côte est de l'Angleterre. Au début du 11e siècle, sous le règne du roi d'Angleterre Knut le Grand, Yarmouth était le point de réunion des pêcheurs anglais, français et germains. En 1148, en Écosse, un règlement dispensait les pêcheurs de débarquer le hareng et les autorisait à le vendre à bord du bateau de pêche. Mais en 1182, la Guilde, l'association de commerce, interdit cette pratique. Le hareng ne pouvait être vendu qu'à terre, après que la dernière rame ait été jetée à terre. Au XIIIe siècle, le hareng fraîchement pêché dans la Manche ou en mer du Nord est livré jusque Paris en 24 heures par les chasse-marées, des voitures attelées tractées par des chevaux. Les relais répartis le long de la route du poisson permettent une vitesse moyenne de 15 km/h. La comtesse Mao, Mathilde, de Boulogne, fille de Renaud de Dammartin, partage sa vie dans le comté de Boulogne entre les œuvres de piété et de charité avec les plus pauvres. En 1241, elle demanda qu'à chaque anniversaire de son décès soit distribué un pain de 12 onces, environ 300 grammes, et un hareng sauré à tous les pauvres de la ville de Boulogne. La comtesse Mao décède le 14 janvier 1259. Son vœu a été respecté de nombreuses décennies par le chapitre de Notre-Dame de Boulogne. Il reste à Boulogne l'expression « chacun saint pain et snérin », qui signifie que chacun à Boulogne a le droit de vivre et avoir le strict nécessaire pour vivre. En 1246, la comtesse Marguerite de Flandre fonde dans la région lilloise à Seclin l'hôpital Notre-Dame, classé monument historique par arrêté du 15 juin 1932. Cet hôpital, plusieurs fois remanié et agrandi, a été financé par la rente annuelle de 15 000 harengs attribué par Marguerite de Flandre, sa fondatrice. Cette histoire est à l'origine de la fête du hareng organisée dans la ville de Seclin. Au XIIIe siècle, la ville d'Amsterdam se développe fortement grâce à la richesse engendrée par la pêche du hareng et le paiement des taxes sur le commerce de leurs produits à l'intérieur du comté de Hollande. Il est coutume de dire que c'est en Hollande que la mise en saumure du hareng a remplacé le salage sec et que la ville d'Amsterdam fut construite sur les arêtes des harengs. Au XIVe siècle, la consommation des harengs était immense, et Yarmouth était le premier port de pêche d'Angleterre. Le hareng était même servi à la table du roi. Dans les siècles qui suivirent, la pêche au hareng fit naître une longue rivalité entre l'Angleterre et la Hollande. Ce fut l'industrie hollandaise qui lui permit d'acquérir une supériorité sur l'Angleterre, avec une meilleure préparation des produits. De plus, au cours du temps, avec les changements climatiques, les harengs s'éloignèrent des côtes anglaises pour se rapprocher du Danemark et du nord de l'Allemagne. Au XVe siècle, les bancs de harengs revinrent vers l'Angleterre et les côtes françaises. Le droit de pêcher les harengs fut l'une des raisons de la longue rivalité franco-anglaise et l'une des causes de la guerre de Cent Ans qui débute en 1337. Le 12 février 1429, près de Rouvray-Saint-Denis, lors du siège d'Orléans par les Anglais dirigé par John Falstaff, plus de 3000 hommes des forces franco-écossaises conduites par Charles de Bourbon, comte de Clermont, attaquent un convoi de ravitaillement anglais parti de Chartres. Cette bataille est connue sous le nom de la bataille des harengs, car le ravitaillement anglais se composait principalement de tonneaux de harengs. Les Anglais comptent environ 1500 hommes dans leur rang. Ils ont mis les chariots en position défensive et ont dressé des piques pour empêcher la cavalerie de charger efficacement. Les Écossais, peu protégés, subissent de lourdes pertes, principalement à cause des archers et des arbalétriers anglais. Les Anglais, constatant que les Français tardent à attaquer, décident de mener une contre-attaque. Ils sortent alors de leur retranchement et mettent en déroute les Français et les Écossais. Après cet échec, les troupes sont démoralisées et le comte de Clermont passe pour un lâche. La ville d'Orléans sera sauvée par Jeanne d'Arc le 8 mai 1429. Les Anglais s'enfuient et Philippe le Bon, duc de Bourgogne et comte de Flandre, retira alors ses troupes. En 1431, Jeanne d'Arc meurt brûlée à Rouen sous la domination des Anglais. En 1453, c'est la fin de la guerre de Cent Ans, mais pas de la rivalité entre les Anglais et les Français.
Quelques années plus tard, le poète François Villon chantait déjà les louanges de nos harengs sorts et faisait une mention particulière du talent des haranguères, des marchandes de poissons, à dire des injures. Le Moyen-Âge est le début de l'époque de la prospérité de Boulogne grâce à la pêche du hareng et à la façon de le préparer. Le hareng fut le roi du carême médiéval, moment où l'on ne peut pas manger de viande. Au XVIe siècle, outre-Manche, le poète Thomas Nash, contemporain de Shakespeare, écrivait sur les aliments de carême les louanges du hareng sort. Il disait notamment que c'était la plus précieuse marchandise expédiée dans toute l'Europe et il vantait ses propriétés nutritives. Alexandre Dumas écrivit qu'au XVIe siècle, il existait un usage assez bizarre parmi les chanoines de la cathédrale de Reims. Le mercredi saint, après les ténèbres, ils allaient processionnellement à l'église de Saint-Rémy, rangés sur deux files, chacun d'eux traînant derrière lui un hareng attaché à une corde. Chaque chanoine était occupé à marcher sur le hareng de celui qui le précédait et à sauver le sien des surprises du suivant. Des artistes ont réalisé des peintures mettant en scène des harengs, comme le flamand Joachim Buchelaar au XVIe siècle et le néerlandais Jacob van Hees qui a peint ce déjeuner de hareng. En 1804, l'aménagement du port de Boulogne par les soldats de Napoléon Ier sera à l'origine du formidable développement de la pêche boulonnaise. En 1848-1850 apparaît le chemin de fer qui achemine le hareng vers Paris et qui met fin au transport de poissons par les chevaux sur la route du poisson. On compte alors à Boulogne une cinquantaine de sauriceries. C'est l'époque des installations sur la rive gauche de la Liane à Capécure. Une scierie à vapeur y est installée et les rebuts de bois alimentent les Corrèzes. Oui, on avait été, avec l'équipe d'étape, on avait été demandé pour faire une fête du hareng à Montbrisson. Et en fin de compte, c'est à côté de Briard, hein, Briard, le fameux pont-canal sur la Loire. Et donc, Montbrisson, bah, c'est parce qu'il y a un gars d'étape qui est au conseil municipal de Montbrisson qui nous avait demandé d'aller là-bas. Et puis en recherchant, bah, il y avait un rapport direct quand même avec ce fameux hareng, c'est que le canal de Briard, hein, qui est un canal... un pont-canal hein, qui passe la Loire. Et hein, dans tous les écrits de l'époque, on dit que c'est ce qui a permis aux harengs de descendre en dessous de la Loire. Hein, jusqu'avant la construction de ce pont-canal, ben, le hareng ne dépassait pas la Loire, parce que la Loire était large, hein, on ne pouvait pas le passer. Donc le hareng frais allait jusque-là, et quand il y a eu le pont-canal, ben, on a pu passer de l'autre côté de la Loire pour descendre ce hareng au-delà de la Loire, hein, pour le commercialiser frais, enfin salé, comme on le faisait à cette époque-là. Entre 1860 et 1875, l'évolution technique des haranguiers contribue à accroître considérablement leur tonnage. L'adaptation du cabestan à vapeur, le remplacement du chanvre par le coton pour les filets et l'abandon du gréement de lougre au profit de celui de ketch ont littéralement révolutionné la pêche au hareng en l'espace de 15 ans. En 1866, Frédéric Altazin est le premier à importer de la glace de Norvège. Celle-ci arrive en bloc de 100 à 150 kg et il faut la casser à coups de hache avant de l'embarquer. L'armement fourni chéri l'adopte d'abord pour la pêche au maquereau, qui se pratique de mai à septembre, en période chaude, puis d'autres armateurs l'imitent pour le hareng. En 1872, le poète Charles Cros publie son poème sur les harengs sorts. Ce poème sera rendu célèbre par le comédien Coquelin Cadet, originaire de Boulogne, et des générations d'enfants l'apprendront par cœur dans les écoles. En 1875, deux maîtres pêcheurs de Boulogne, Eugène et Jean-Baptiste Delpierre, petit-fils du célèbre corsaire Félix Delpierre, s'associe pour armer à la pêche au hareng. En 1880, grâce à des capitaux britanniques, la fabrique Continental Ice & Co. s'installe rue d'Anraymont et livre à bord de la glace concassée. À la même époque, la conserve en boîte fait son apparition à Boulogne dans les établissements Louis Bouclet et Van Eckhout Père pour conditionner des filets de hareng sort à l'huile. Peu après, ce seront les fameux pilchards, les sardines en anglais, à la sauce tomate aromatisée qui feront leur apparition. À la fin du XIXe siècle, les bateaux de pêche à vapeur se généralisent. Boulogne-sur-Mer devient alors le premier port de pêche de France et le restera très longtemps. Le caquage en mer est progressivement abandonné pour disparaître tout à fait vers 1890, au profit du braillage ou d'un simple mouchetage qui consiste à pincer le hareng pour le vider partiellement. En 1891, le peintre belge avant-gardiste James Ensor peint son tableau « Squelette se disputant un hareng sort ». En 1916, Chaim Soutin peint cette nature morte au hareng. Le chalutage du hareng qui supplante la pêche dérivante dans les années 1920 augmente les apports à Boulogne de façon considérable, 20 à 30 000 tonnes au début du XXe siècle. Quant à l'accroissement de la rapidité des transports, il habitue les consommateurs à des produits moins salés et moins fumés. Le vrai hareng sort disparaît au profit d'un hareng plus doux. À la même époque, rouleront les premiers wagons isothermes. Une partie du hareng peut donc être livrée en frais au lieu d'être braillée en mer.
Après la Seconde Guerre mondiale, il y eut une période de surexploitation du hareng, puis une période de déclin de la pêche avec une interdiction totale de pêche au hareng à la fin des années 70. Dans les années 90, les consommateurs redécouvrent ce poisson et le hareng roi retrouve peu à peu son trône, même si la situation de la pêche à Boulogne poursuit sa tragique descente. De très nombreuses villes conservent dans leur blason les souvenirs de leur lien avec le hareng. De nombreuses familles issues de l'ancienne noblesse possèdent un blason où figurent des harengs. Le hareng se déplace habituellement en grand banc, particulièrement dans les eaux froides de l'hémisphère nord. On peut le trouver en Atlantique, en mer Baltique, en mer du Nord, en mer de Norvège, en Pacifique Nord et même dans l'estuaire de la Tamise. Le hareng fut un des piliers de l'alimentation, de la Flandre jusqu'au Danemark, de l'Angleterre et des pays nordiques, Norvège et Suède. C'est un poisson des mers froides qui migre en fonction des saisons et de son cycle de reproduction. Des bancs d'innombrables harengs partent de l'océan polaire vers les côtes d'Écosse et de Hollande, poursuivis par les grands poissons des profondeurs. Le hareng aime vivre en profondeur pendant la journée et il remonte vers la surface des eaux à la nuit tombante. Pour se reproduire, les bancs s'approchent des rivages peu profonds de nos côtes. Le hareng est un poisson gras constitué d'acides gras mono et polyinsaturés, parmi lesquels on trouve les célèbres oméga-3, protecteurs des cellules du système nerveux. Le hareng contient comme beaucoup de poissons de la vitamine D, vitamine anti-rachitisme, et de la vitamine A, vitamine très importante pour la vision. Le hareng blanc, c'est un hareng salé mais non fumé. Si le hareng a été fraîchement vidé et salé à la mer, et qu'il est assez gras, c'est un airain en albour, un hareng en albour. Les airains en albour sont de petits harengs salés qui sont séchés en mer, ce qui permet d'éviter les mouches. Une braille, c'est la pelle qui sert à remuer les harengs pour les saler. Brailler, c'est saler les harengs avec une braille. Brailler dérive du mot gaulois brer, qui signifie crépiter, craquer, faire du bruit. Éplinguer les harengs, c'est les éclabousser avec du sel pour les saler. Selon la quantité de harengs, on jette une poignée ou une pelletée de sel. La proportion de sel nécessaire pour saler des harengs a longtemps été réglementée. En 1808, il fallait utiliser 27 kg de sel pour 100 kg de harengs blancs et 155 kg de sel pour 12 240 harengs sorts. Entre 1830 et 1860, de nombreuses sauriceries boulonnaises firent faillite en raison des non-conformités et des fraudes au sel. Les harengs peuvent également être salés avec de la saumure qui est de l'eau salée. Le sel permit pendant très longtemps la longue conservation de beaucoup d'aliments. En Flandre, le hareng pek est le hareng salé et confit dans du vinaigre. En flamand, pek signifiant à la fois vinaigre et pois, cette matière collante noire obtenue à partir des bois résineux. On dit d'ailleurs « t'es noir comme pek », »,« tu es noir comme de la pois ». Les pekkel horing, les pekkel herring, sont donc les harengs au vinaigre. Dans les années 1920, c'est la maison Fourmentin Ramé qui met en place à Boulogne la production des fameux rollmops, les filets de harengs conservés dans du vinaigre blanc. En fin de compte, pec, c'est un hareng salé. Hein, donc le premier hareng que les bateaux ils allaient pêcher là-bas en montant le long des côtes d'Anglès, là, du côté de Grimsby, et puis en descendant, hein, descendait au fur et à mesure, et il était salé à bord des bateaux. Hein, donc il y avait aussitôt ce qu'on appelait les harengs pec. Hein, c'est un hareng qui avait déjà été salé. Donc à terre, il est au, soit qu'il est au dessalé pour être utilisé comme ça, soit qu'on le conservait, puis on l'a remis dans notre saumure. Hein, parce que là, c'est dans une saumure, on met du sel sec. Alors que dans les souriceries, c'est une saumure, c'est de l'eau saturée de sel, hein, une saumure comme ça. Et donc ce fameux rapec, là. Et puis ben, on parlait aussi, à notre époque de l'année, ça se rapporte au polérin, on faisait le pec sale. Le pec sale, c'est aller pêcher des maquereaux, des bacriaves, dans le canal Saint-Georges, entre l'Irlande et puis la France. Et là, comme les maquereaux, ben, c'est un poisson qui se conserve pombin, hein, on le vidait et on mettait du sel d'un sponge. Hein, on a retiré les boyaux, puis hop, on met du sel dedans. Et ça, on appelait ça les alpexales, c'est toi aller pêcher du maquereau, un pêcher des maquereaux qu'on salait sur place. Ça, c'est tout le pexal. Donc le pexal, c'est tout le saison au printemps, là, après le pec du hareng. Hein, on désarmait au hareng, on a relevé les rois des bateaux, hein, c'est tous les rois qu'on avait utilisés pendant le campagne de l'Airain. Et puis on réarmait avec des manets, hein, c'est tous des rois. Toujours des filets dérivants, mais un petit peu différents. Les mailles étaient un petit peu plus fortes, hein, parce que le macriao, c'est un pichon plus rapide qui rattrape plus facilement dans les mailles et qui esquinte au plus. Et ça, c'est tout le pexal, en armo pour le pexal. Le patois boulonnais contient de très nombreuses expressions utilisant des noms de poissons et particulièrement des harengs. De quelqu'un qui parle souvent mais sans rien dire d'intéressant, on dit « Ti, t'es vin plus d'airain que de sol. Toi, tu vends plus de harengs que de sol, c'est-à-dire » tu dis plus de choses banales, sans intérêt, que des choses précieuses ou intéressantes.
Ça n'épond rien, les reins. Il y a quelque temps de ça, et je vous avoue présenter quelque chose, et que j'avoue intitulé C'est fin les reins. Quand on ressemble un plat d'assaisant, comme ça le moment du rein de nos mères, avouez que je peux pas faire autrement qu'elle vous a parlé des fameux pichons. De ce pichon dont on semble terre tous si friands. C'est vrai que c'est bon un bon rein. Et puis, tu peux le préparer de mille façons. Pour pas trop cair, t'arriveras tout dit à te régaler. Michébec et je rate jamais à l'occasion d'y goûter. Et chaque fois, c'est pareil. Je me régale comme un pousseur de gale. Je me papais d'être plaisir. Dans nos villes et nos villages à Boulogne également, et le pichon qui davantage chez nous plaire, c'est les reins. Car même les plus fines boucs adorent ce pichon-là. Faut être vraiment nounouk pour refuser tel plat. Ben de royal païel, vraiment, c'est du nano. Un régal, un merveille pour tartous, mes efforts. Et je n'ai jusqu'à mes oreilles quand je me l'anende. Et je rongroue même les couelles quand je mets du rein. Et le musicien, c'est pas drôle, c'est le sol qui lui convient. Mais à l'auto-école, c'est du tacou au print. Et le blanc cherche une roussette, et le chauve, et le bain, et le barbu. Quand on go un goguette, il racole et le morue. Une canteuse, une cocotte, aime qu'on lui donne le temps. Il a l'un, il velote, et le quatre, il vient d'en dents. Mais pour moi, rien n'égale ben haut, et je le maintiens, et le meilleur de ce qu'il faille, c'est les reins. Bon les reins. On maltraite cette grosse pelouse, un corps trop grassouillé. Et celle que la flotte d'as blouse, elle ressemble à un flé. Du bonhomme qui se tortille comme un serpent dans le désert, on dit quelle anguille, qu'est carplu ou qu'est vert. On appelle Robadoule à une femme qu'elle râle et trop, et on dira qu'elle drôle, t'as une tête et de seyo. Cherche pas, ça dépend de la peine des trouvants sur marin pour dire avec une graine du mal et sur les reins. Ça sera chouette, et sur terre si personne n'a vos faim, si chacun son misère, à vos sympas n'est rien. Mais moitié, elle se pourlait, avec elle vin trop plein, l'autre, elle sud des arecs, sans même un quignon de pain. Par chance, sur le côte d'Opale, quand saison elle vient, on se papette des pécales qu'elle qu'on rapporte de nos marins. Grâce à eux, on se régale et on muronne, content à le marchand qui détale, ah, c'est pour rien les reins. Quand les lieux de pêche sont suffisamment proches du port, le hareng peut simplement être braillé, c'est-à-dire mêlé de sel, puis mis en tonneau de 113 litres, soit 101 kg de poisson net, ou en grenier, c'est-à-dire en vrac, dans la cale. À l'arrivée à Boulogne, le hareng est mesuré sur le quai. La mesure est une petite manne d'un double décalitre, soit à peu près 22 kg de poisson, ce qui représente environ 170 unités. Le poisson est ensuite déversé sur une charrette dans des mannes plus importantes, d'une contenance de 7 mesures, et mené aux ateliers. Le braillé, qui ne peut servir à faire du blanc, va être fumé. On commence par le dessaler dans une grande cuve d'eau douce pendant 6 à 20 heures, selon que le poisson est plus ou moins salé. Après un second lavage rapide, toujours à l'eau douce, les harengs sont enfilés un par un, par les ouïes, sur des baguettes de bois de sole ou de coudrier, appelées aînées. Ces baguettes sont ensuite disposées dans les corèses. Les corèses, ou corèses, sont initialement des salles sur le sol, desquelles on allume des feux. La fumée est alors répartie ou dirigée vers telle ou telle partie de la pièce à l'aide de trappes d'évacuation. À Boulogne, le roussable est un synonyme de sorée. À Fécamp, autre port de pêche du hareng, les roussables sont les corèzes où l'on roussit le hareng. Il faut attendre les années 1830 pour que soient érigées de grandes cheminées qui permettent d'entretenir le feu en sous-sol ou en entresol, de disposer les aînés à l'entresol ou à l'étage. Mais ces cheminées conserveront le nom de corèzes. Une manière de conserver des reins, c'est de l'exposer à la fumée dans une corèze. Et là, ben, selon le temps qu'on l'a laissé saler, hein, il y a le temps, le hareng conservé pour une année complète hein, dans les grands bacs de salaison. Et selon le temps qu'on le met à dessaler, hein, il faut le dessaler pour qu'il soit. Et selon le temps qu'on met à dessaler, ben, on garde plus ou moins de sel. Et donc là, on a différentes sortes d'arins sorts. Donc il y a les arins sorts, il y a les bouffis, il y a les gendarmes, il y a les craquelots. Hein, c'est le temps qu'ils ont été exposés à fumer, puis le temps qu'on a mis à les dessaler. Hein, moins il est dessalé, plus il conservera longtemps. Mais par exemple, plus il est dur à manger, bien sûr. Au XIXe siècle, les méthodes évoluent. Les aînés ne sont plus déplacés un par un,
mais placés sur des racks, des chariots d'abord en bois, puis métalliques. Les harengs à fumer sont donc chargés sur des racks, les chariots, et ingernés dans le corès, et entrés dans la chambre de fumaison. Dans les années 80, les fours électriques de fumage font leur apparition à Boulogne. Quand le hareng est fumé, on le dégerne de le corès, on le sort de la chambre de fumaison. L'employé qui retire les harengs pendus dans les corès est le dépin d'œufs. Regardez le dépin d'œufs d'airain. Un grand dépin d'œufs d'airain, c'est quelqu'un de grand, avec de longs bras maigres, qui dépend les harengs. Regarde ce stylo. Mon, il est grand comme un dépin d'œufs d'airain. On dit quelquefois un grand dépin d'œufs, mais aussi quelquefois un grand dépindu d'airain. Et donc, grand dépin d'œufs, ben, c'est dans les corès avant, maintenant, enfin. La méthode suivante, c'était de mettre les harengs sur des aînés, et puis on les mettait sur un rack, et rack, on rentrait ça dans un corès, un grand chariot à roulette, hein, qui permettait de suspendre les harengs. Mais dans un premier temps, dans les corès, c'était les filles qui montaient à l'échelle et qui accrochaient les aînés sur différentes étagères qu'il y avait dans la cheminée elle-même. Et donc il y avait un dépin d'œufs d'airain, c'est celui qui descendait les harengs après qu'ils avaient été fumés. Mais on dit quelquefois un grand dépindu d'airain parce que justement, par rapport avec les airains de Norvège, avec les keepers de Norvège, quand ils sont grands, quand le gars il est grand et puis qu'il n'est pas épais, il dit un grand dépindu d'airain. Hein, c'est un peu ça aussi. Le sor ou le soré est donc le hareng fumé. Ce terme vient du moyen néerlandais sor, qui signifie desséché. Le terme sor désigne maintenant la couleur du hareng fumé, c'est-à-dire une couleur jaune tirant sur le marron noisette. La couleur d'origine du hareng étant gris-bleu. Dans son cycle de reproduction, le hareng est d'abord franc, il s'est refait une santé et a repris du gras. Le hareng franc sor est fait pour la longue conserve. Ce hareng franc est fumé avant qu'il soit plein de rogue ou de laitance et qu'il ne commence son long voyage de reproduction. Le hareng franc sor est donc très sec. Un des noms du hareng sor est le gendarme. Ce hareng salé au sel sec est fumé, fermé. Il sert à faire les filets de hareng salé. Ce surnom viendrait à la fois de la couleur bleutée du hareng, comme la couleur des uniformes des gendarmes, et de l'aspect raide des harengs, proche de la rectitude morale et physique des gendarmes. En Belgique, le petit hareng sec et fumé que l'on avait aspergé de sel s'appelait l'aspiringue. Il existe un syndicat national des saleurs saurisseurs de poissons, qui regroupe notamment de nombreuses entreprises boulonnaises. Il existe de nombreuses expressions boulonnaises utilisant le hareng sort. L'airain alpis, c'est le hareng en train d'égoutter. L'airain baisé a un côté non fumé ou non salé, car il était collé à un autre hareng. L'airain brûlé, c'est le hareng qui a été touché par des flammes. De quelqu'un qui boit beaucoup ou très vite, qui a très soif, on dit « Vous avez mangé de l'airain sort salé comme vous êtes là. Ah, rien eux, bah eux, hein, quelqu'un comme il agurgite. » T'as mangé de l'airain salé? T'as mangé des airains salés. Hein, quelqu'un qui boit, mon Dieu, qui a toujours soif, il dit, on croit que j'ai mangé des airains salés. Parce que c'est vrai qu'avant, à cette heure, les habitudes sont changées, mais avant, on mangeait beaucoup le hareng fort salé. Hein, c'est vrai qu'on faisait salaison pour l'année, hein, aussi bien dans les ports qu'au village, on faisait des cruches d'hareng salé. Ce qui fait qu'au bout de 6 mois ou 1 an, le sel est au bain d'imprégner le chair du hareng. Hein. Mais ça permet de le conserver, c'est le seul conservateur qu'on connaissait à l'époque. Hein. Oh, je suis desséqué, j'ai mangé du hareng sorcellaï. L'ismer, elle l'a sevré avec un sauré. Ah ouais. L'ismer, c'est un numéro 1. L'ismer, pour moi, elle l'a sevré avec un sauré. Sa mère l'a sevré avec un hareng sort. Cela se dit de quelqu'un qui boit de l'alcool en grande quantité, un ivrogne qui a toujours soif. Hein, donc, premier aliment solide qu'on a donné, c'est un sauré, donc quelque chose qui est au fort soleil. Donc il a pris l'habitude, il continue de boire. De l'ivrogne qui délire et qui a des visions, on dit... Il commence à vivre, dire un sort à ma taille au lot des ridium. C'est-à-dire qu'il voit des harengs dans les rideaux, comme si les rideaux étaient des filets de pêche. Il commence à voir des harengs à ma taille au lot des ridium. Oh là là! On dit, il voit des airains, il a des keepers dans les ridia, ou bien il voit des airains sort dans les ridia, ou c'est mauvais signe. Le gars, il est saoul, il commence à délirer, quoi. Il commence à voir des harengs fumés accrochés le long des rideaux. Il a trop bu, il commence à délirer. Lee, il va bientôt quer de Skyel. Il va bientôt tomber de sa chaise et rouler par terre. T'as le connais, tu? Qui? Qui l'a rassort? Quoi qu'on mange? Des côtelettes des rassorts. Une côtelette des rassorts, ouais. Ça, une côtelette des rassorts, alors on disait aussi, ce soir on mange d'Alfondu porteloise. Les porteloises n'aiment pas grand-chose quand on dit ça,
En fin de compte, c'est une pratique courante, c'est un bol de café au lait, une tartine et puis un kipper ou un érasor. Hein? Alors forcément, ils disent, mais non, c'est bon dans le fondu parce qu'on trempe pas l'érasor dans le café au lait. Ben non, c'est sûr. Mais on le mange en même temps et puis c'est pas mauvais. D'ailleurs, j'ai déjà essayé, c'est bon. De quelqu'un de maigre, on dit... Il est sec comme un souris. Ah ouais, il est sec comme un souris. Il est sec comme un souris. Oh. Ouais, sec comme un souris, parce qu'un souris, c'est un poisson, qu'on a, comme un hareng qu'on a exposé à le fumer, donc il a séché par lui-même. Et d'autant plus qu'il y a différentes sortes de poissons fumés. Il y a le souris, il y a le gendarme, il y a le bouffi, il y a le buckling aussi maintenant. Tous ces poissons-là. Donc un sauré, c'était un poisson qu'on avait exposé longtemps, qui était fort salé déjà au départ. Hein, donc la chair était déjà resserrée. Et puis on le laissait longtemps à la fumée, ce qui fait que ça permettait de le conserver très longtemps pour pouvoir l'expédier très loin d'ailleurs. Et donc là, ben, il était quand même desséché, hein, sec comme un sauré. Ouais. Hein, parce que les saurés, enfin moi je me rappelle dans ma jeunesse, maintenant on ne le fait plus parce que c'est vrai que ça avait une odeur assez particulière. Et des saurés, c'est des petites caisses en bois souvent. Et ils avaient quelquefois 3-4 mois qu'ils étaient souris déjà. Et quand pour les manger, ben on ne les faisait pas comme maintenant. Maintenant, on les met au barbecue, on les met sur un grill ou un truc comme ça. Mais à cette époque-là, souvent, on les mettait dans l'eau. Hein, on faisait cuire des patates et puis on coupait des morceaux de souris, on les mettait au-dessus, hein, comme on faisait avec les harengs d'ailleurs, de temps en temps. Mais là, sur les harengs, c'est tôt des poissons, des moments difficiles. C'est quand on ne pêchait pas de poissons frais. Et donc, ils reprenaient de l'eau, ils réépaississaient un petit peu. Quoi, hein, mais sinon, au départ, ils étaient fort secs, quoi. Lee, il vit d'un hareng. Il mange peu, il est maigre. Par extension, il vit sobrement, sans faire d'excès. J'en mange trop l'autre jour au pain vert, j'ai trop de boue dans l'autobus. À l'étau, plein d'arasières. Il y a une espèce d'ostrogo qui se met à se lamenter tout haut. Man, ça sent l'air un sort. Et alors, que je dirais pas. Ça te dérange cette odeur-là? Eh ben, m'y pas. Et un pinceil, je me suis vu à maison à souper, avec un grand bol et de café ben calme. Des tartines bain l'oreille, un train de ronguer un bon sort jusqu'à la rec. Et je n'abavoue et je m'en papétant et un pour les camps les baleines. C'est si bon quand on a un vie. Ça vaut tous les soupers du monde. Et un pu, sans être chauvin, c'est un spécialité bain boulonnaise. Quand aux arbres et de Capécure, les abeilles Magritte et Marie, à la sainte de Pont, mais je vous l'assure, le parfum de bourgeois, soirée de Paris. C'est une odeur bien boulonnaise, qu'elle vous catoule les trous du nez. Ça sent les bonnes femelles des Corrèzes, d'où qu'on prépare les bons saurés. Ça sent le sauré, ça sent le bouffi. Quand ça grimpe tous à Saint-Pierre, ça sent le sauré, ça sent le bouffi. Et quelle bonne odeur, mes amis. Il y a le plopounding en Angleterre, en Italie les spaghettis. Pour un choucroute, un pâté de bière, les Allemands y feront des folies. Et le caviar, il se trouve chez les Russes. Et le couscous, il est africain. Mais tout ça, c'est des crottes de puce. On a mieux que ça dans nos patelins. Un érinsor, un bon bouffi. Un tartine, une patate et de pleure. Un érinsor, un bon bouffi. C'est un régal, mes amis. Il y a un grand malgin qui, par nature, il n'aime te pont les policiers. Dans lui parole et dessus lui figure, on voit qu'ils peuvent te pont les blairer. Mais si je respecte les gendarmes, c'est pont par fausse, on le devinait. C'est que je lui trouve un certain charme, parce qu'ils l'ont même nom qu'un sauré. Un bon gendarme, un bon bouffi, avouez-le, c'est sympathique. Un bon gendarme, un bon bouffi, il n'a pas au-dessus de ça, mes amis. Un érinsor, un bon bouffi, du café et du pain au beurre. Un érinsor, un bon bouffi, ah, quel souper droit, mes amis. Les harengs sont également à l'origine des fêtes du poisson de Boulogne-sur-Mer, d'Étaples et d'autres villes côtières. Dans plusieurs villes sont organisées des fêtes à saurées, avec lancer de harengs sorts par le maire de la ville. C'est le cas à Romery, entre Cambrai et Maubeuge, où chaque année le premier magistrat de la commune jette chaque lundi qui suit l'entrée en carême des harengs sorts du haut du balcon de l'hôtel de ville. Le hareng au Moyen-Âge était appelé le poulet de carême. À Romery, cette distribution de 200 kilos de harengs fumés est en souvenir d'une bataille durant la guerre de 100 ans, pendant laquelle les habitants affamés auraient attaqué un convoi anglais de ravitaillement. Les soldats anglais vaincus auraient fui abandonnant leurs tonneaux de harengs, laissant les habitants distribuer le butin en le jetant à la population. À Dunkerque, les origines du carnaval dunkerquois remontent au début du XVIIe siècle. Les armateurs offraient aux marins pêcheurs, avant de partir pour 6 mois de pêche à la morue en Islande, un repas et une fête, ainsi que la moitié de leur solde,
car beaucoup des pêcheurs ne revenaient pas toucher l'autre moitié à cause des nombreux naufrages. De cette fête naîtra la Vischersband, la bande des pêcheurs en flamand, qui se déroulait à l'origine entre le lundi gras et le mercredi des cendres, marquant le début du carême. C'est ce qu'on appelle les Trois Joyeuses. Selon le cycle du hareng et le type de fumage, le goût du hareng sort peut varier. Dans de nombreux anciens textes, certains disent que les plus beaux harengs sort, les plus grands, les plus charnus, les plus dorés, les mieux fumés aux genièvres, sont les saurés de Guermouth en Irlande. C'est le hareng sort qui est le poisson le plus exporté du port de Boulogne. Davantage salé, il se conserve longtemps, d'où son succès commercial et artistique. Ça sent le sauré, ça sent le sauré, ça sent le bouffi, ça sent le bouffi. Quand ils arrêtent tous à Saint-Pierre, ça sent le sauré, ça sent le sauré, ça sent le bouffi, ça sent le bouffi. À quel bon odeur, mes amis. Quand ils arrêtent les cafécures, nos amis Magritte et Marie. Une sainte bombe, je vous l'assure, parfum bourgeois, soin de Paris. C'est un odeur d'un boulonnais, qu'elle nous casse tous les trous du nez. Ça sent le bon fumail des Corrèze, nous t'en prépare des bières saurées. Ça sent le sauré, ça sent le sauré, ça sent le bouffi, ça sent le bouffi. Quand ils arrêtent tous à Saint-Pierre, ça sent le sauré, ça sent le sauré, ça sent le bouffi, ça sent le bouffi. À qui bonne odeur, mes amis. En Italie, les spaghettis. Pour un choucroute, les pâtes et bières. Les Allemands, ils croient des folies. Et le caviar du smash et les Russes. Et le couscous, il est africain. Mais tout ça, c'est des crottes et puces. Mon ami, ça, qu'un autre patelin. Un air rassort. Un air rassort. Un bon bouffi. Un tartine, une patate à cuire. Un air à sort. Un air à sort. Un bon bouffi. Un bon bouffi. C'est un vrai régal, mais je vous le dis. Y'a un malin qui par nature, il n'aime que pour les policiers. D'un lutarol sur le figure, on voit qu'ils peuvent pas les blairer. Mais si je respecte les non mais je trouve un certain charme, parce qu'ils ont même non qu'à saurer. Un bon gendarme, un bon gendarme, un bon bouffi, un bon bouffi. Faut avouer que c'est sympathique. Un bon gendarme, un bon gendarme, un bon bouffi, un bon bouffi. Pour ça et pas tant, mes amis. L'airain bouffi est un hareng non vidé, plein de rogues et laitance, légèrement fumé et salé, n'ayant pas subi la caque, le baril de stockage, donc non aplati, d'où son nom de bouffi, communément employé à Boulogne et à Dieppe, quoique à Boulogne, on utilise plus volontiers le terme de craquelot pour ce type de hareng fumé. Il suffit de quelques heures pour rincer, saisir et fumer le hareng braillé en mer, dont on veut faire du bouffi. Par contre, pour obtenir cette variété avec du poisson frais, on devra le saler pendant environ une journée, le laver rapidement dans deux bains d'eau douce et l'égoutter doucement pendant deux ou trois heures avant le fumage. Un hareng de trois nuits est un hareng qui a passé trois nuits à bord du bateau de pêche. Au XIXe siècle, le règlement interdisait aux harengs de trois nuits d'être salés normalement. Ces harengs ne pouvaient qu'être bouffis. Ceci explique en partie qu'il y ait plus de harengs bouffis à Dieppe qu'à Boulogne, Dieppe étant un port plus éloigné des lieux de pêche aux harengs les plus fréquentés. Le terme de craquelot, le blotter en anglais, quelquefois synonyme de bouffi, désigne un hareng de plus de deux ou trois nuits, très peu salé et fumé, destiné à la consommation locale. Le fait d'être plein permet au hareng bouffi de conserver l'onctuosité de sa chair. On ne peut confectionner du sort qu'avec du hareng caqué en mer ou frais, pêché de moins d'une nuit. Le buckling est un hareng resté entier et fumé à chaud avec les techniques de fumage pratiquées en Allemagne. Le buckling est très apprécié dans l'est de la France. Le keeper est le hareng fumé par excellence. C'est un hareng sort peu salé, coupé en deux par le dos, ouvert et aplati, avant de passer dans un four à feu de bois de préférence. Le terme keeper vient du terme anglais keeper,
signifiant que ces poissons se conservent, qu'ils ne pourrissent pas. Pour les Anglais, un keeper, également appelé hareng rouge ou red herring, est un mode de préparation et conservation du poisson, généralement un grand hareng ou un saumon, qui, entier, a été fendu en deux de la tête à la queue, évidé, aplati, débarrassé de ses arêtes, salé et à peine fumé, à froid, ce qui lui donne une couleur rouge. Les Britanniques le servent parfois au petit déjeuner, au breakfast, en lieu et place ou en complément des œufs au bacon. Le keeper se mange tel quel ou cuit brièvement. Il est vendu frais, en conserve, surgelé ou en sachet prêt à cuire. À Boulogne en 1872, la fabrication de filets obtenus manuellement à partir de sorts et celle de keepers d'origine anglaise amène une clientèle très importante aux sorisseries du port. Les Boulonnais disent keeper ou clipper, par homophonie avec les rapides navires à trois mâts du début du XXe siècle. Dans le pays boulonnais, un emplâtre, c'est un hareng sort, parfumé avec du thym et du laurier, accompagné d'une pomme de terre tiède que l'on écrase. Une fois avalé, cela vous fait comme un pansement gastrique. Les keepers fut le titre d'une chanson patoisante avant la Seconde Guerre mondiale. À Marseille, ils sont fiers, et du bouillabaisse, Bordeaux de Saint-Pinard, et Rouen de Saint-Canard. À Boulle, Renomeil, c'est de l'poulard, d'Aide, Bresse, à Lyon, le saucisson, de l'moutarde à Dijon, Vira, ses andouillettes, et Tours, à ses rillettes, Périgord, ses foie gras, y'a qu'à Bologne, qu'il y a des keepers, des keepers. Au monde, n'a rien de meilleur. Les keepers, ça met du soleil dans le cœur. Les keepers, rien que d'arnifler Snowder. Tout va bien, on nage dans le grand bonheur. Ben voilà quoi que c'est qu'un vrai keeper. Un Allemand avant, il mangeait d'elle choucroute, et un Italie, des macaronis. Un Russie à cette heure, il ne suste plus que des croûtes, et un Angleterre, du pudding du Chester. Tout ça, c'est peut-être bon, mais pour mi, ça ne vaut pas. Un keeper bain d'oreille sur une tartine beurrée. Des keepers, au monde, n'a rien de meilleur. Des keepers, ça met du soleil dans le cœur. Les keepers, rien que d'arnifler Snowder. Tout va bien, on nage dans le grand bonheur. Ben voilà quoi que c'est qu'un vrai keeper. À cette heure, c'est l'heure du keeper, allez hop, on y va. C'est maintenant l'heure de manger du hareng fumé. D'une fille facile, on peut la critiquer en disant « Marie, elle est informe. Elle a le keeper qui bat des ailes. » Elle est ouverte comme un hareng fumé. Elle cherche l'aventure. « Oh là 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 là, mais je vais dire à ma fille qu'il ne l'approche pas, hein, parce que celle-là, elle a le keeper qui bat des ailes. Hein. » Il est grand comme un keeper. Il est grand et long et fin, comme un hareng vidé, dédoublé et fumé. Il est grand comme un keeper. Hein, parce que les keepers, ben, il n'a 36 sortes. Avant, ils n'étaient pas trop grands. Maintenant, ils sont calibrés parce qu'ils passent à la machine. Donc c'est des grands keepers et c'est souvent fait qu'un hareng de Norvège, hein, donc des harengs qui étaient plus longs que les harengs côtiers qu'on pêche ici dans le coin. Hein, il est grand comme un keeper en Norvège, hein, c'est parce qu'il est étoffé, et c'est des keepers qu'on a fait avec des harengs de Norvège, des harengs quelquefois de la Baltique d'ailleurs, hein, qui sont plus grands que les harengs côtiers qu'on pêche ici. Il est grand comme un keeper, c'est un gros sauré. Celui-là c'est un grand sauré. Enfin un keeper c'est par le dessus qu'on le voit. Et puis ben, on le vide, hein, on retire comme, hein, tout ce qui est à l'intérieur, mais un airain, ça n'a pas grand main de boyaux, tout ça. Hein. À l'intérieur, au moment des airains pleins, par exemple, ben, à part les rocs et puis l'étance, il n'y a rien d'autre. Il, hein, y a un petit fil d'arien, il n'y a plus d'intestin, il n'y a plus rien. Hein. Il est gros comme un guipard des oseilles. Il est gros comme un hareng fumé dont on a retiré les arêtes. Il est donc très maigre. Il est maigre comme un sauré. Il est gros comme un keeper des oseilles. On dirait un flé qui relève de couche. Ouais, ben un keeper, ça ne paraît déjà pas trop gros puisque c'est ouvert à deux. Et puis, ben, si on retire sur l'arête du milieu, c'est vrai qu'il reste que les deux flancs, c'est pas énorme. De quelqu'un qui a fait des excès d'alcool et qui le lendemain boit beaucoup d'eau pour se réhydrater, on dit... Il est à le dessal. Il est à l'eau claire, à l'eau minérale. Lui, il est à le dessal. Hein. Hier, il a fait trop fort. Pour la fête.
On peut également le dire de quelqu'un qui a mangé trop de kippers salés et qui boit beaucoup d'eau. Hein, c'est un peu ça, le dessal, bon, c'est les érins, les conserves salées, et puis bon, on les met dans des cuves à dessaler, avec un temps plus ou moins long, en fonction de ce qu'on veut en faire. Et donc c'est ça, le stick étale des salles, c'est le stick qui a forcé la veille et puis qui récupère le lendemain. Quoi. Une caque, c'est un baril, un tonneau. Le mot caque vient du gallo-romain cacus. Les caques sont à l'origine les ouïes des harengs. On met dans un tonneau les harengs caqués, les harengs dont on a enlevé la tête. Ainsi, le contenant est devenu le contenu. Au XIVe siècle, en 1379, le roi Charles V utilise le terme cacus dans une ordonnance royale pour augmenter le nombre de harengs en caque. Mettre des harengs caqués dans un baril, c'est les encaquer. Par la suite, les barils, les barriques et les tonneaux ont pris le nom de caque, même s'ils contenaient autre chose que des harengs conservés dans du sel. Un caque d'huile, un caque de poudre à canon, un caque de suif. Le musée à ciel ouvert de Lyngby au Danemark reconstitue la vie quotidienne de familles de pêcheurs au XVIIIe siècle. On peut y voir et déguster des harengs en caque. Depuis le Moyen Âge, les caques de harengs ont fait partie de la vie quotidienne des Boulonnais. Les tonneaux, servant à transporter les harengs paquets, étaient expédiés dans toute la France. Dans plusieurs expressions boulonnaises, on retrouve la caque. Un caque, ça sert toujours les reins. Cette expression date du XVe siècle, où l'on disait aux parents qui portaient une extrême attention à l'éducation de leurs enfants « Vos enfants auront de l'esprit et de la finesse, car la poche sent toujours le hareng. L'éducation ressort toujours. On ne peut rien faire contre ce qu'on est vraiment. On a beau faire, ses origines ressortent toujours un jour ou l'autre. » Assez rapidement, cette expression a pris un sens négatif. « Le caque, elle s'attira toujours les reins, t'as beau faire. » La caque sent toujours le hareng. Lorsque dans une caque on entasse des harengs pendant un certain temps, le bois est définitivement imprégné de l'odeur, quoi qu'on puisse faire pour tenter de l'en enlever. Cela peut vouloir dire que lorsqu'on a de basses origines, on en conserve toujours la vulgarité, malgré une éventuelle réussite sociale. Ce dicton est également une critique négative sur ceux qui sont passés d'un bas rang social à une position sociale plus élevée. Une des raisons de cette connotation négative vient de ce que le hareng sort était surtout consommé par les populations pauvres. Voilà, c'est ça. Hein, le caque, ben, c'est le baril qui servait à conserver les reins. Alors bon, c'est vrai que c'est du bois, donc ça s'imprégnait de l'odeur de les reins. Donc quelqu'un qui a été mal éduqué au départ, ben, il continue sur le même chemin. Des personnes serrées, pressées les unes contre les autres dans le métro, dans un train ou dans une foule, peuvent dire « Bon, c'est toi me serrais comme des reins à caque, la vaut du monde !» Nous étions serrés comme des harengs dans un baril. Si des amis vous emmènent dans leur petite voiture, vous pouvez dire « On est tous serrés comme des harengs à caque. » On était serrés, pressés les uns contre les autres. Pour en mettre le maximum, ben on fait des lits, en mettant des lits de harengs, en mettant du sel, puis on appuyait au fur et à mesure pour tasser tout ça. Dit-il, les amis, c'est pour dire un sort, hein, sans péquer, là, hein. Les amis ne sont pas des harengs sorts, on ne peut pas les entasser n'importe comment. On doit les respecter. Dis gentil, on n'est pas des harengs sorts, hein. Cette expression est aujourd'hui plus souvent remplacée par « on était serré comme des sardines en boîte », vu qu'il est plus facile actuellement de rencontrer des boîtes de sardines que des caques de harengs dans les rayons des supermarchés boulonnais. Le couteau utilisé pour efflinguer le pichon et artirer les brôles, c'est-à-dire pour ouvrir le poisson et en retirer les entrailles, est appelé un caqueré. Donc ça, c'est des caquerés de... Il y a Jean-Claude Blanpin qui nous a donné le sien. Hein, ils ont ça aussi sur leur au côté, hein, dans leur tenue. Et puis, ben, à terre, ben, ceux qui travaillent dans les magasins de marais, ils ont aussi un caqueré. Hein, c'est un couteau qu'on affûte régulièrement avec une pierre, hein, de manière à ce qu'il coupe bien, pour pouvoir éviscérer les pichons, hein, et broyer les pichons. Hein. On utilise plutôt le terme « flaquer » ou « efflaquer », par exemple pour une roussette, un chien de mer. Hein, « efflinguer », c'est « ouvrir ». Hein, ouvrir le penche, hein, c'est souvent ça efflinguer. Hein, parce que bon, il y a la manière de nettoyer un poisson, c'est d'ouvrir de l'étriper, quoi, hein, c'est ça. Et quoi. Hein. Donc ça se fait avec un caqueré, un couteau avec une lame qui est effilée avec le temps, parce que ben, on est toujours en train de le raguser, comme on dit. Alors ça se fait pas, dans la marine, ça se fait pas souvent avec un fusil. Hein, les bouchers, ils affûtent leur couteau avec un fusil. Dans la marine, c'est souvent une pierre à aiguiser. Hein, c'est une pierre à aiguiser dans du poche, c'est pas ça. Sur les bateaux, pareil. Ce qui fait que la lame, avec le temps, ben, elle devient très fine comme ça. Hein. Donc les caquerés, ben, c'est un outil qu'ils ont toujours aux côtés, hein, à bord des bateaux, et puis ben, dans les magasins de marais. En fait, c'est un peu ça, comme l'indroussette, quand on dit flaquer un indroussette,
on le louvre à deux, et puis on va l'étaler, hein, on tenait même avec des clous pour pas qu'elle se retourne. Un hareng ou un autre poisson qui s'échappe là, c'est une savate. Les savates, les chats de mer, tout ça, ça se faisait avoir des bateaux, parce qu'en mer, il n'y a pas de mouches. Hein, donc, on était sûr que ça ne gâtait pas le poisson quand il était sec. Et à terre, on mettait souvent beaucoup de poivre dessus pour éviter que les mouches y viennent. Et souvent, le meilleur temps pour faire tout ça, c'était avec du vent de nord. Quand le vent est nord, il est sec déjà, le vent, il est froid. Hein, même si on a du vent de nord l'été, ben, ça refroidit tout de suite tout le temps. Et c'est un vent sec, donc ça permettait de sécher beaucoup plus vite au poisson. C'est le dernier hareng qui fait carver le bonnet. C'est le dernier baril de hareng chargé sur une charrette qui tue l'âne en le surchargeant. C'est-à-dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ah, oh, c'est le dernier hareng, ça fait carver le bonnet. Le cac, ça couvre beaucoup de choses parce que c'est le baril déjà où c'est qu'on entrepose les hareng, où c'est quand on met des hareng paquets, hein, on les appuie là, on met fait un lit de hareng et avec un truc en bois, ben, on l'appuie, on met du sel, on refait un nouveau lit de hareng, ça c'est dans un cac. Et puis caquer, c'est ouvrir un poisson, hein, quel que soit le poisson d'ailleurs, hein, caquer un pichon. Et puis un cac, c'est aussi une grande cuve où on met les hareng à dessaler. Donc ça couvre grand-mère de choses, et puis tout ce qui tombe d'un hareng, c'est les caques. D'un poisson, du moins, quand on l'ébreuille, hein, quand on lui coupe la tête, quand on enlève les boyaux, chez les caques, hein, c'est ce qui sert à faire des produits, des sous-produits maintenant, qui sont bien utilisés. Et les filles qui travaillaient à ça, ben, on les appelait par extension des cacures. Alors certains vous diront que cac, ça vient de cac plus capécure qu'on assemble, donc ça fait cacure. Mais ça peut être aussi simplement, hein, parce que ben, on travaille dans les caques, on fera des cacures. Alors les cacures, ben, ils avaient, c'était, capécure, ils utilisaient une main-d'œuvre énorme à cette époque-là, hein, jusque dans les années 70, hein, il y a une main-d'œuvre énorme à capécure, hein, tout se faisait à la main, et les filles qui travaillaient là-dedans, quand on travaille dans le poisson, ben, on peut se laver aussi bien qu'on veut, on a toujours l'odeur du poisson qui réapparaît, hein, on peut faire l'expérience, on épluche du poisson, on ébreuille du pichon, hein, on se lave ses mains et après, une heure après, ça ressent le poisson. Hein, c'est une odeur qui pénètre. Ce qui fait que les filles qui travaillaient là-dedans, ben, ils étaient quasiment imprégnés de l'odeur de poisson. Hein, ils pouvaient se laver autant qu'ils voulaient. Et pour cacher souvent cette odeur de pichon, ben, ils mettaient beaucoup d'odeur, hein, beaucoup de parfum. Hein, ce qui fait que ben, les deux se mêlaient et ça donnait une odeur qui était caractéristique des cacures. Alors, en plus, ben, les cacures, ils avaient une réputation un petit peu particulière parce que ben, c'était un monde féminin quand même, hein, dans les magasins de marais, un monde qui ne se faisait pas trop de cadeaux, mais qui était un monde très solidaire d'ailleurs. Et donc, il ne fallait pas trop importuner les cacures, ils avaient un langage assez vert. Et puis, ben, c'est presque elle qui s'en prenait aux hommes quand ils croisaient ou des trucs comme ça, quoi. Hein. J'étais un peu, ça faisait un petit peu partie du rituel des cacures. Et, bon, les cacures, ils ont disparu. Alors, il y a beaucoup qui hésitaient à dire avant j'étais un cacure, alors qu'en fin de compte, ben, tout le monde avait à un moment donné de sa vie souvent passé à capécure, parce que ça demandait beaucoup de main-d'œuvre. Et puis, ben, on aimerait qu'il y ait encore beaucoup de cacures, c'est que capécure, il travaillerait encore bien, quoi. Le mot cac a donné cacure. Ce sont les femmes employées dans les magasins de marée qui, bien malgré elles, sentent en permanence le poisson et sont donc parfaitement identifiables, par exemple, d'un bus de colonne, dans le bus qui mène à la colonne de la Grande Armée. Cela pourrait venir d'une fusion de mots entre cac et capécure, car c'est dans ce quartier de Boulogne que la majorité du poisson était traité. Par la suite, les femmes qui travaillaient dans le poisson et qui interpellaient les hommes dans la rue ont vite pris le nom de cacure. Cacure est donc devenu un terme méprisant, pour désigner les femmes vulgaires dans leurs paroles ou leurs attitudes. Quoi, il sort avec elle? Oh, bah, il est pour des grillailles. Une cacure. Oh. On dira également, c'est une cac. Il sort avec elle? Bah, il est pour des grillailles. C'est une cacure. Ce terme a une connotation très péjorative. D'une femme forte ou très vulgaire, on peut dire d'elle, arin de cac. Ou bien, monde grosse cac. Arguette le grosse cac. Regarde-là cette cacure. Quelqu'un qui travaillait mal à l'école, on disait oh, si tu travailles pour mal à l'école, tu seras une cacure. Hein? Alors, dans le sens où elle ira travailler à capécure, qui est considéré un peu comme un sous-travail par rapport à l'usine à plumes, tous ces trucs-là qui s'étaient développés après-guerre. Mais en réalité, c'est une porte de sortie très, très intéressante pour beaucoup de femmes, et puis un appoint important.
Et donc c'était dans le sens qu'elle ira travailler à Capécure, puis dans le sens que ben elle mènera une mauvaise vie, quoi. Hein, elle n'aura pas de vocabulaire, elle parlera mal. Et c'était un petit peu surprenant parce que quand on regarde un petit peu toutes les vidéos, puis quand on parle avec des gens qui ont travaillé à cette époque-là, les Cacurches étaient eux les maîtres de Capécure, en fin de compte, les filles. Et le travail un petit peu accessoire, c'était les hommes qui le faisaient. Hein, transporter les caisses de poissons, c'était les hommes. Hein, tout le travail un petit peu dur. Et ben, les filles, eux, pour eux, ils considéraient dans la hiérarchie, je dirais, du travail de Capécure, le travail plus noble, c'est travailler le poisson, donc c'était les filles. Et l'autre travail, c'était les hommes. Hein. Mmh. Hein, on le voit, par exemple, dans les usines de conserve, bon, c'est les filles qui placent le poisson dans les boîtes, puis ben, c'est le gars qui les met dans les étuves pour le passer, pour les pasteuriser. Hein. Revenons au port. C'est l'époque de l'abondance. L'animation continue à régner et pendant ce temps, les ateliers travaillent à conserver le poisson qui n'a pas été expédié. Le hareng livré du bord est transporté au magasin. On en sale de grosses quantités. Ce hareng salé est ensuite arrimé et emballé dans de petits tonneaux que l'on expédie aux épiciers dans les campagnes les plus reculées. Il est également transformé en hareng sort. Un lavage en eau courante le dessale suffisamment. Il est empilé par les ouïes sur de petits bâtons. Ceux-ci sont placés sur des chariots qui sont introduits dans de grandes cheminées. Une fumée abondante est produite par du bois et des sueurs de hêtre, de chêne et d'aune. Après le fumage, qui dure de 12 heures à plusieurs jours, les chariots sont sortis des cheminées. Et le hareng est mis en caisse. Le hareng sort est également transformé en filet. Boulogne est un grand centre d'usines de conserve qui sont installées d'une façon tout à fait moderne. On y met en boîte des filets de hareng sort à l'huile. On y prépare des harengs et des maquereaux au vin blanc et à la tomate. Des conserves de pilchard, de merlan, des marinades diverses et des roll-mops. Après sertissage, les boîtes sont passées à l'autoclave pour stérilisation.